Rideau est tombé sur la cérémonie de clôture des BRVM Awards. Sept catégories ont été primées lors de cet événement annuel des acteurs du marché de l'UMOA qui vise à améliorer les performances économiques régionales. Parmi les prix, l'on note le prix de la société de gestion et d'intermédiation de l'année, le prix de l'opération de l'année et le prix de la société cotée de l'année. Mais ça va être une grande joie. Oui, c'est bon, c'est plus, c'est vrai, on ne fait pas de concurrents parce qu'on a eu une rémunération, on était assez colossal. Sur le titre de transition judiciaire. Donc, je tiens à remercier d'abord le service dans notre source de vie et de site. Remercier le régulateur et l'AMF UMOA, l'équipe m'a dit que je tiens mon agrément. Remercier BRVM qui nous offre cette méthode. Parce que ça fait 27 ans que je suis sur le marché financier. On a quand même pas pu les droits depuis la création. Un prix spécial a été remis à la ministre du Plan et du Développement pour son engagement, sa rigueur et son apport au sein de l'administration. Je suis honoré de soi, directeur général, honoré de recevoir ce prix spécial qui m'est offert à l'occasion donc de cette cinquième édition des Awards de la BRVM Awards 2024. Je voudrais bien entendu dire merci au directeur général, dire merci au comité d'organisation pour ce prix et pour m'avoir associé à cette édition. Quant au Grand Prix d'honneur BRVM Award 2024, il a été décerné au président de la République, Alassane Ouattara. Notons que ces différentes distinctions ont pour but de récompenser les acteurs majeurs du système économique africain.